Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo où on va parler organisation. Bon, c'est pas que j'aime trop l'organisation, mais une autre manière, et justement je voulais te parler de mon outil d'organisation que j'ai développé, et j'avais envie de te partager cet outil parce qu'il a pu me servir il y a très longtemps, en 2013. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'intérêt porté à ma dernière vidéo tag positive, des commentaires encourageants. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo avec une mini story time, en gros, en révéler encore un peu plus dans cette vidéo. J'étais seule dans la région et c'est là que j'ai découvert le développement personnel. Donc, j'étais au plus mal, je me suis séparée, au niveau santé ça allait pas non plus, et financièrement c'était aussi la cata. Donc tout allait mal, il ne me restait plus que mes deux enfants. Et parallèlement j'ai fait aussi un peu d'art thérapie, et donc j'aimerais continuer cet outil que j'utilise particulier qui m'est propre. On va vous parler en fait de cet outil. Je voulais t'en parler parce que c'est un outil qui allie organisation et en même temps bien-être, et qui permet de booster ses énergies pour sortir mon outil personnel pour ma propre organisation. L'objectif du jour, c'est pouvoir gérer sa vie personnelle et professionnelle, qui m'a permis de me concentrer sur tous les domaines de ma vie et de les répartir en domaines. Bien-être personnel pour booster mes énergies, soutien des autres. Donc c'est une bonne expression, aide-toi et le ciel t'aidera. Permet aussi de bien répartir ses domaines de vie, et domaine de vie, la partie physique, émotionnelle, etc. comme je t'avais parlé, et tout ça en fait, de bien les répartir. Je suis une maman bienveillante, j'ai des idées, et donc ça se passe en action par des petits actes. Quelques exemples de défis très ciblés. La barre d'infos, le défi professionnel, j'ai décidé, donc vous l'avez vu, de mettre des annonces de mon candibar, donc que je loue. Donc si vous êtes dans la région près de chez moi, du Languedoc-Roussillon, voilà, je l'ai mis en ligne, contacté par mail ou par messenger, sur les réseaux sociaux. Le plateau à bonbons, des petites bouteilles pour en verre pour boire les boissons, tout ça de manière écologique. À chaque défi réussi, eh ben, j'ai la petite récompense de gagner en sérénité, et donc je peux me récompenser avec cette attitude et cette petite note positive. Quand j'ai terminé le défi, je me récompense avec. Voilà, donc cet outil créatif, donc je vous montrerai le lien où vous pourrez voir ce plan, ce gabarit.